Et salut à tous. My beautiful planet, shining with life, the home planet of humanity, according to what they teach in school. Nowadays, I'm the one teaching. I'm Maladan, an archaeologist and researcher in the most prestigious university in the world. And this is Nevis, my assistant. I've studied relics, artifacts, and fossils. And my conclusion is clear. Humans do not originate from Aegis, but somewhere else. Our true home planet awaits us, far beyond the stars. During my research, I came across an ancient signal, clearly of human origin, emanating from a nearby galaxy. Since that discovery, I've been preparing to go and meet the originator of the signal. We've explored each planet from pole to pole, and now we found it. It's decided. Nevis and I will go to this mysterious planet to uncover the secret of humanity's origins. Bienvenue sur la nouvelle vidéo découverte du Game Pass. Allez, c'est parti. On y est. Ça va être très drôle. C'est développé par Splash Team, ça s'appelle le nom de l'entreprise qui a développé le jeu. Tu as l'air d'aller bien. Désolé, j'ai jamais rencontré personne de ton espèce. Readme. J'ai posé des diffuseurs un peu partout. Pour t'aider à te repérer et étudier ton équipement, n'hésite pas à les consulter. Ok. On s'est crashé? Ah oui, le personnage est en 2D. Ah. Et on peut siffler avec Y et sauter avec A. Le saut, il retombe assez vite. Hein. Ok. Donc normalement c'est un genre de Pikmin-like. Et là c'est des Tinykin qui te suivent. Ils traînent dans la maison et ils ignorent tout le monde, mais toi on dirait qu'ils t'adorent. Ils ont des capacités fascinantes. J'ai peut-être enfin trouvé quelqu'un pour les utiliser. Les Tinykin roses sont les plus costauds. Ils peuvent pousser ou porter certains objets en s'alliant. Ils peuvent même déplacer de lourdes charges. Mais ça tombe bien, suis-moi. Ce pot de fleurs, si tu lances des Tinykin roses dessus, ils pourront certainement le déplacer. Ah, mes recherches m'ont indiqué qu'un objet d'une grande valeur était enfermé sous le grand escalier. Ok, très bien. Initiation de taille, aider Readme à libérer l'accès sous l'escalier. Mais j'en ai deux. Ah. 3, 4, 5. Ah. Ah oui. Faut arriver à se situer dans l'espace. Donc le personnage c'est marrant, c'est en 2D dessiné. Le saut il retombe très très vite. Je pense que c'est fait exprès pour la bulle. LT permet de porter un Tinykin. Et RT pour l'envoyer. Il m'en faut combien? 30, d'accord. Ouais, c'est pas haut. Ouais, il me faut 30 Tinykin.
Peut-être que je vous ferai un Pikmin aussi sur la chaîne un jour, si je suis motivé. Pour l'instant, j'en ai 14, mais ça peut venir. Est-ce qu'il y a des succès où font collecter tout? Ah merde. Bon, il n'y a pas de dégâts de chute. Bon, jamais 203. On va y arriver. Ok, donc là j'en ai 20. Ah, c'est marrant. Ah ouais, on voit toute la déco de la chambre, d'accord. Eh, j'en ai loupé là-bas. Ouais, j'arrive pas à me repérer sur la distance du personnage et des plateformes. J'ai loupé. C'est moi, j'ai loupé le plus simple. Ok. Je crois que j'en ai pas assez. Il m'en manque 5 qui doivent être tout en bas. Caché. Voilà. Ça commence à faire une petite troupe là, c'est assez sympa. Allez, c'est parti, vous me déplacez ça. Ok, ils font le move tout seul. C'est très bien comme ça. Allez, premier succès, assistant résolu. Passage est libre. C'est marrant que les personnages soient en 2D en fait. Bon, en fait, on est tout petit. On va dans un monde où on est tout petit. C'est marrant parce que ceux qui ont distribué le jeu, c'est Tiny Build Games leur nom. C'est peut-être fait exprès. Je sais pas quel autre jeu ils ont fait Splash Team. Je crois pas qu'ils aient fait Splasher, le jeu de plateforme. Ah, ils y vont tout seul. Je sais pas où ils vont. Faire quoi avec ça, moi? Pam, pam. J'espère que le son est pas trop faible. Alors, j'avais juste augmenté un peu le son du jeu. Le premier composant, si tu savais depuis combien de temps j'attends ça. En fait, moi, c'est Readme. Je sens qu'on va faire une super équipe. Milodan, c'est ça? Je vais tout expliquer. Comment il connaît notre prénom? Parce que là, on est bien sur la planète Terre. Pam, 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 pam. Peut-être descendre le son à 12. Voilà. J'ai quelques réglages. Entre, je vais tout expliquer. On suit quelqu'un qu'on connaît pas du tout. Atelier de Chrysal, refuge du savoir. Cette retraite aux confins de la maison. Dans un endroit caché. Bienvenue chez moi, Milodan. Tu vois ce plan sur la lune? Sur le mur? Deux fois, un être nommé Arduin habite à la maison. Bon et sage, beaucoup le considèrent aujourd'hui comme un dieu. Ah ouais. Pour moi, c'était plutôt un savant. Selon moi, ce schéma a été dessiné par Arduin lui-même, dans le but d'assembler une machine capable de voyager par-delà la maison. Alors quoi, faut des masques? Un pot? Des ciseaux? Un drapeau? Un entonnoir? Ah déjà de base on a déjà le... J'ai passé ma vie à essayer d'en retrouver les composants et grâce à toi nous avons pu récupérer celui du Transidor. J'ai localisé les 5 restants. Ah mon transport est au service, ok. Bon bah on va être des readme, de toute façon on a que ça à faire. L'ouvre trop, le conservateur du musée a plus de science.
Sicaru, le brasseur de nectar. La maison est grande et tu risques de te fatiguer avec tes petites pattes. Je n'ai pas réussi à sauver ton skate savon. Vous avez trouvé le skate savon. Ouais, bah, on va maintenir Hervé. C'est un... D'accord. Ah, c'est des araignées. Peut-être des araignées. Oh. Trop bien. Oh, on peut glisser avec le skate savon. Allez, c'est toi, Milo. Bienvenue dans la plus illustre brasserie de toute la maison. Tout le monde s'est mis à se gaver de cette affaire d'oumise gratuite. L'art de presser le pollen s'est perdu. Ah. Les yeux brillent, ça t'intéresse? Dans chaque piège, je serai là pour récupérer le pollen. Oui, on peut slider. Trop bien. Pas mal, les décos et tout, c'est bien foutu. Yeah. Eh bien, tu as récupéré toute ton adresse, suis-moi. Je sais par où. Commence nos recherches. Nous devons récupérer un étendard. Par ici. Ah, c'est ça, ouais. On va plutôt aller voir... Louvre-auto. Voleur, vermine! Qu'est-ce que t'as fait des artefacts, misérable? Mais c'est pas toi. Bon, bienvenue au musée Darwin. Notre établissement a subi une attaque odieuse et sournoise. La plupart des pièces de la collection ont disparu. Amène-moi les artefacts en bon état. Bah ok, ça marche. Il a pas l'air d'y avoir de dégâts en fait. Ok. Waouh, le petit appart là, tranquille. Ok, on se met plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Ah oui, mais ça c'est, en fait c'est pour évoluer. Ah ouais... Après, il y a des niveaux partout, d'accord. Chaque porte, c'est un niveau. Je sais pas. Là, faut vraiment rester avec RB appuyé. Oh, les vieilles gommes roses et bleues. Petite cabane. Pas sauter sur la poignée. Ah. Il y a quand même des dégâts de enfin, on peut pas tomber de... Allez, on y va. On va partir pour le premier monde. Petite découverte, hein. Je vais pas faire plus d'une heure. En plus, les vidéos d'une heure, j'en ai fait beaucoup avec Sea of Thief et It Takes Two pendant l'été avant mes vacances. L'étendard appartient à une punaise dévotée appelée Solaria. Ah, il y a quand même des boss alors. J'ai mis la double des clés qui mène à Sanctar. Obtenu honnêtement, tiens. Ok. Je compte sur toi. C'est sympa, hein. C'est le nouvel objectif, hein. On va y aller tranquillement. Ah, d'accord. Donc là, ils vont pas me suivre. Ok. Et ben, en route pour Sanctar. Oh, on va pas se laisser prier. Ah, d'accord.
Et hop, en aéroskate savon. Alors de ce que j'ai compris, en plus comme les Pikmin, y a pas, c'est des couleurs différentes aussi, ils ont des effets différents du coup. Enfin, de retour à Sanctaire, félicitations compagnons, l'expédition a porté ses fruits. J'ai le pressentiment que c'est ce qui nous manque pour terminer notre quête. C'est difficile à dire, mais j'apprécie ton enthousiasme. Les générations de punaises et Arduin comptent sur nous. Oh, mais c'est énorme! Les tardigrades. C'est les petites bêtes invisibles qui ont une taille en micron. Bienvenue à Sanctaire, terre bénie par le cantique. Darwin. Seules les punaises peuvent l'entendre. C'est étrange, n'est-ce pas? Ce mystère nous résiste et l'enquête piétine. D'ailleurs, nos missionnaires viennent tout juste de rapporter quelque chose. Une énorme relique toute ronde. Allez jeter un œil. Eh ben, let's go. Convaincre Solaria de te confier son étendard sera difficile. Il semblerait que les punaises sanctines souhaitent diffuser le cantique d'Arduin pour le rendre accessible à tous. Mais comment? Cette grosse galette fait partie du problème. Ah bah oui, c'est un lecteur du disque vinyle. Ta 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 ta. Ok, j'en ai trois. Ouais, ça. Ah, ça en est des rouges. Ah bah c'est ce que j'avais dit. Excellent. Oh, c'est du nectar ça, non? Oh, on peut tellement se perdre partout ça. Oh, ça va être le jeu où je vais me perdre. C'est un jeu où on peut se perdre, hein. Que du coup on va vouloir tout collectionner, pas faire la quête principale. Vouloir avoir tous les Pikmin, enfin les Tinikin, pardon. Quel temple, il manque de piques et de pointes à mon goût. Lol. Ok, il y en a 1000 de nectar à choper. J'ai vraiment à chaque nouvelle pièce, il faut que je collectionne des nouveaux Tinikin. Okay. Ok, un petit dessin. En l'honneur d'Arduin. Ok. Ah mais les rouges, c'est pas éternel? J'espère pas être bloqué après. Minute, pourquoi? Minute? Pourquoi les punaises, elles entendent Arduin toute la journée et pas vous? À ces raisons que nous ignorons, il ne revient pas de remettre en question les actions du créateur, Thomas. Ok. Descendre. Ah. Dans la statue. Ah oui. C'est un crayon. Petit succès là. Quoi quoi? Reconstituer le gyrofrog de Sanctar. Pourquoi pas, hein? Un petit peu de nectar là. C'est un jeu où on va essayer de faire le 100%.
Les libellules vivent et se souviennent, en silence dans l'ombre et par les failles dans nos murs. Ah! C'est une décharge. Ah, d'accord. Ok, on va y aller à fond. Pour cela, faut que je les garde du coup. Parce qu'ils explosent donc ils reviennent pas. Il faut combien? Ok, petit raccourci. Alors, oh oui, il y a aussi le jeu, il est sur le Game Pass. Donc là, on est sur Xbox Series X, bien sûr. Mais dispo sur Switch et PC aussi. Également, il me semble. Ah, j'en ai lancé un pour rien, mais il est revenu. Ils adorent casser certains objets et se font exposer au contact des objets fragiles. C'est un banc. On peut aller au-dessus du bâtiment là. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, dans le Game Pass il est dispo, sinon vous pouvez l'acheter n'importe où. Ok, c'est parti. Je vais essayer de préserver les tiquines rouges. En espérant ne pas oublier là où j'ai pas pris le... Oh ! Carrément, hein ? Je suis en train de me faire une collection, là. En fait, là, je suis en train de faire le monde tout seul. Sans suivre le didacticiel ou ce qu'on aurait pu me dire. Ah. Très intéressant, en fait, c'est vraiment le jeu qui te donne envie de tout faire. Enfin, de choper tous les Tinikins, quoi, de faire de la collection, comme un Pokémon. Ouais, il y a plein de rouges, là. Allez, hop, 4 rouges de plus. Haha. Ok, ça commence à faire du monde là. S'il faut vraiment tout collectionner, ça va être long. Hein. Je crois qu'ils voulaient pas faire une vidéo d'une heure. Je l'ai vu. Là-dedans, faut du placard à monstre. Ok. Une preuve? Ok. C'est quoi, il faut un... Ouais, il en faut 8, hein. J'en ai pas assez. Je reviendrai plus tard. La musique est... Je pense qu'elle est assez forte. Hop, hop, hop. Oh, il y en a partout, caché et tout, là. Hallucinant, le nectar, pareil. Ok, encore du nectar, des cassettes. Cassette audio. Oh. Ah oui. Ok, très bien.
J'apprécie, je découvre. Hein. C'est bien foutu, c'est bien fun. L'univers a l'air d'être assez décalé. Tout en ayant peut-être une bonne histoire. J'avais pas fait la démo qui était dispo il y a peut-être 6 mois là. Ça a l'air bien foutu. Voilà, on va récupérer un maximum de nectar. Je sais pas si on en récupérera les 1000. Oh, excellent, excellent. Il y en a partout, partout. Oh oui, 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 oui. Ah, des roses. Qu'est-ce que j'ai allumé là? Excellent. Oh, il y en a des cachets là aussi, d'accord. Ok, petit raccourci. Je sais pas si ça c'est vraiment une pièce, c'est vraiment un niveau ou si c'est un hub. Je pense que c'est un niveau, hein. Oh. Ah, il y a des rouges à récupérer. Est-ce que le but à chaque fois c'est de récupérer tous les monstres ou pas du tout, ou juste un certain nombre en fait? Ok, ça s'est récupéré. Alors, fallait pas que je me rate et que je fasse vraiment tous les nouveaux bouquins comme il faut. Oh. Ok. Donc, si j'allais en haut... Ah bah si, il y avait du nectar. Papa, tu crois que le vieux monsieur du musée pourrait m'apprendre à lire ça? Oh, le livre, impossible, ma chérie. L'ouvre trop, connaît encore le sens de certains signes. Tesla et Edison. Super. Oh, un nez. D'accord. Jusqu'en bas. Parfait. Ouais, peut-être que je suive un peu le tuto avant de continuer, mais l'appât de la collection est en moi. Faut bien penser à tourner ses caméras aussi. Allez, ça c'est fait. On grimpe, on grimpe, on grimpe. On va réussir à y aller tout en haut. Ah mais eux aussi peuvent le récupérer, c'est cool ça. Attention. Ça s'est récupéré aussi. Oh, on voit toute la chambre de là-haut. Là. Oh là là, il y a tellement encore là-bas à récupérer. Oh, c'est la folie. Sacrifie deux rouges par deux violets, ça va. J'aurai bientôt 20 violets, non? C'est le nez. R pour activer la réalité augmentée de tes lunettes. Ok, tu peux voir où se trouvent les trucs à... Ok. Ok, très bien. Là, on a vraiment un monde entier où on va nous apprendre à jouer au jeu. Oh, ce jeu, il est fun, il est fun. Du nectar à gogo, là.
J'ai l'impression d'avoir fini cette partie-là, il faut juste que je retourne au... au sphinx. Voilà. Ah, un succès. C'est un roc. Prendre son nez au sphinx de Sanctar. Fantastique, vous n'avez rien du potion dans lequel je vous prenais. On va peut-être descendre maintenant. Attention avec l'eau, je crains que la technologie embarquée dans ta combinaison réagisse mal à son contact. Ah, si je tombe dedans, c'est cuit. On va voir ça. On va voir ça. J'ai comme une pierre succès dévoyée. Ah oui. J'ai fait une noyade de justesse. Ah d'accord. Oh là là, il y a tellement à faire là. Ah. Gratuit à choper. Ok, ça fait beaucoup de nectar. Convaincre Solaria de te confier son étendard sera difficile. Il semblerait que oui. Ah oui, ok, c'est bon. C'est aussi un fardeau, une bénédiction sur l'armée à déficit quand on a la même musique en tête toute sa vie. Non, un peu folle, ils ont peut-être pas tort. Tour de la grande relique ronde. On arrive vraiment à ramener un gros morceau cette fois. Enfin, c'est rond, c'est beau, mais à quoi ça sert cette relique? Bah, c'est un vinyle, quoi. On va le mettre dessus. Je peux le prendre? Ah oui. Voilà, allez. J'en avais déjà une trentaine de rouges, d'accord. Un peu brutal? Non, ça va. Il est où le truc à vinyle en fait? Mais j'ai de mignon là. Hey, hi, hi, hui, hui, hey, hey. Donc là, faut que je monte ouvrir le pont là-haut, d'accord. Faut que je monte. Où est-ce que je peux monter sur ce bâtiment là? Par ici, ok. Ok, c'était par là. Après là on est sur le toit, on est tranquille. On va récupérer tout ce qu'il faut récupérer. Et du coup c'est dans une maison inhabitée parce que les gens quand ils voient ça, ils disent pas qu'il y a des constructions là. Ah ouais! Ah ouais! Là, je peux récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Il faut que j'accède là-haut. Il y a une lettre à ramener à quelqu'un. On récupère un peu de nectar, mais il faut que je récupère aussi les... la quête principale, on est d'accord. Ah, faut ramener les trois lettres, ok. Encore de la bombe.
Comment je fais pour aller tout en haut là? Ça va ouvrir la porte? Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut y accéder par autre part? Hop, sur le chausson. Ah! Une dame de charmante compagnie avec qui je passais un décevant moment fragile m'a parlé de sa mésaventure. Une de ses plus précieuses gemmes serait tombée dans cette boîte à images. Oh là là là, c'est... Oh là 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 là, faut aller chercher un tournevis là-haut. Deux bulles de vol pour l'atteindre? Deux bulles de vol. Ça veut dire par là. C'est vrai qu'il faut que je regarde mes objectifs, moi. Très intéressant, hein, on va dire. On va pas tomber quand même. Oui, j'accède tout là-haut déjà. Ok. Oh, 5. 40, j'ai 17 roses. Effectivement, je n'aurai pas l'endurance nécessaire. Allez, je vais récupérer plein de rouges. Oh, j'ai des tinikins de partout là. C'est trop fun ce jeu, franchement ça, c'est un pied. Il faut y monter avec une corde. Appuie sur R, hein. Ok, alors on va essayer d'analyser. Comment j'arrive là-haut avec la plante? Ok. J'arrive par là en haut, on est d'accord. Allez, deux roses de plus. J'étais là tout à l'heure, j'ai pas chopé ça. Là, faut que j'aille sur la plante. Faut grimper. Voilà, impeccable. Et ben voilà, parfait. Et paf. Ah mais c'est pas un vinyle, c'est vraiment un CD. Un CD quoi, ok. Oh. Oh le raccourci. La tour. Il manque un bouton. Et bien sûr, il manque le bouton. Pour relier le câble, il manque un bouton. Allez. Il est où le lecture? Le fameux bouton lecture. Il manque un bouton. Bah oui. J'ai ratissé tout son tard sans succès. C'est le haut de la structure qui soutient le restaurant Le Félix là-bas. Ah bah, surveille Tesla, qu'elle passe pas trop d'électricité.
suis revenu là, faut que j'aille tout en haut. J'ai pas pris tout le nectar ici. En tout cas, c'est très très fluide, ça marche très bien. Le gameplay est excellent. C'est vrai que si on est fan de Pikmin, c'est excellent quoi. Pas de microprose, enfin. Et on slide à max. Putain, je suis presque à 1000 déjà en hectare. Ça va vite au final. Encore, j'ai pas tout explosé. Je pense qu'il y aura un succès à faire aussi. Ça me sert pas à grand chose. Il y a le piano aussi, d'accord. Mais quoi, il y a une... c'est une framboise? C'est là, c'est le resto de... Voilà, il y aura forcément une araignée. Donc son resto, il est là, non? Ok, beaucoup de nectar. Ok. Pagaille. Il m'a dit c'est là-bas le resto de Félix, c'est tout en haut de son resto. Je veux bien, hein. Ah! Je l'avais pas vu? Eh ben, let's go mettre l'album des tardigrades. J'espère que, ça, que vous kiffez un peu, là, parce que... J'espère que vous kiffez un peu le let's play, enfin, la découverte. Je sais pas si j'en ferai tout un let's play. Je pense que ça peut être le genre de jeu qui va assez vite à finir, comme Tunic. C'était bien le bouton, mais c'était mon idée, ne l'oubliez pas. D'accord. Il faut pas de l'électricité? Ok, et après? Les rappeler. Ok. Et donc, j'ai envie de dire. D'accord. Il fallait le mettre dans le bon sens déjà d'entrée. J'arrive à trouver un câble pour connecter le. L'appareil CD. Allez, on peut le faire, voilà. C'est toujours bon de récupérer tout ça. C'est pas ce que ça va nous amener, t'as entendu ça, monsieur Dovahkiin? Il a dit qu'il y a un monstre là-dedans. On va chercher le monstre.
Ah, c'est le dino bleu. Une peluche. Ah oui, il faut photographier le dinosaure bleu. Ok. Ah, let's go. Ils sont complètement fous. Je vais être dans les 900 là. J'ai pas regardé. Il fallait 20, c'est ça, ou 25? Faut que je trouve la solution pour le... pour triper. Pour le lecteur de CD. En attendant, on va prendre le monstre bleu en photo. Allez, ils arrivent et c'est l'heure de la photo. On se met dessus, sur la photo. On fait coucou, c'est nous d'abord. Hey, c'est nous. Voilà, photo, photo instantanée, hein, on est d'accord. Après, il faut la montrer aux deux fourmis là. Voilà. Un petit succès peut-être. Ils étaient tard, hein, regarde, il y a la preuve en image. Quoi, ton monstre, c'est une peluche. Le repos du guerrier, vous comprenez. Honneur brisé, artefact du musée trouvé. Sa place est dans un musée. Un artefact volé du musée, ok. On va essayer de trouver un câble pour pouvoir connecter ce vinyle là. C'est quoi ça? Eux ils vont aller où là? Ok. Ils vont au vinyle? Oh, ce serait bien ça. C'est possible, hein. Bon, bah ça va faire une vidéo découverte d'une heure, hein. Désolé. Pour ceux qui n'ont pas le temps. Regardez, regardez cet aimant là. Paladin honoraire. Faire résonner le cantique d'Arduin dans Sanctaire. Comment cela est-ce possible? Il résonne dans tout Sanctaire, même les fourmis l'entendent. Maintenant la voix du créateur peut être entendue, étudiée. En récompense de vos efforts pour le bien des Sanctaires et du temple Milodan, je vous remets mon plus précieux trésor. Oh, trop bon. On va pouvoir le remettre à la maison et faire la construction du vaisseau. Il n'y a besoin que de 10. Je crois que c'est là. Non, je sais pas. Ah, là-bas, c'est là-bas la trappe. Ah, t'as offert les tendres, demande au Tinikin de le récupérer. C'est ce que j'ai fait. Bien joué, Milodan. Empruntons sans plus attendre ce tunnel qui mène à Chrysal. Afin de récupérer ce composant. Ah, ils l'ont jeté dans la... D'accord. Dans la bouche. Empruntons ce tunnel.
l'atelier des chrysales. Donc là, c'est une espèce d'ancienne bonbonne de gaz avec un masque, on va mettre un étendard. Ça va nous faire un vaisseau spatial avec des voiles. Félicitations, Milodan. Nous avons intégré un nouveau composant à la machine du gant Arduin. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider dans la suite de notre quête. Mon vieil ami Sikaru, le brasseur. Ah bah, je lui ai ramené du nectar, je crois. Ah, j'ai une deuxième bulle du coup. Ah. Bulle de planeur, 2. Et on peut en avoir 6 de plus, d'accord. Ah, ma combinaison est remplie de bulles. Je peux pas nager, mais elle est remplie de bulles. Le grand entonnoir dans les hauteurs de Follenia au cœur du territoire des Mantes. On peut s'y frayer un chemin en passant par 5 terres. Retrouvons-nous là-bas. Ok. Faut que j'aille donner du nectar à la foule. Et que j'aille au musée. Et après, je vais couper la vidéo découverte ici. Je t'ai pas donné de nectar? Ouais, je peux pas lui donner du nectar là. Ah oui, effectivement. Ouais, j'ai pas ramené un truc là. Ah si, elle est là. D'accord. Bonheur apprécié, c'est une pièce. Passe les textes. Hein. Si vous voulez vraiment après découvrir le jeu par vous-même. On peut retourner à Sanctar du coup, mais on va arrêter la vidéo découverte ici. Et on se dira à bientôt pour une prochaine découverte, un prochain jeu. Peut-être Cult of the Lamb, je vous le ferai en live, je ferai une soirée Cult of the Lamb. Je suis déjà à la moitié... Enfin, je vais combattre le deuxième boss. Donc ça, je vous mets le boss, je verrai ce que je vous mets. Je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée sur... Cult of the Lamb. Alors du coup, une partie gestion, où on gère son culte et tout. Une partie roguelite, où on fait les donjons avec les armes. Je pense que je ferai... Enfin, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié Tinikin. Il est dispo sur Game Pass, si vous avez Game Pass. Sinon, sur toutes les autres plateformes. Ciao, ciao! À bientôt pour une prochaine découverte.